Salutations YouTube. Pas de réclame, on enchaîne. J'ai mis le cycle de nuit et je vais voir si maintenant j'ai la possibilité d'affronter le gigabouffe. Qui me balance des parpaings dans la tronche. Mais je vois pas ce que ça change à ma situation, à part s'il fait dodo. C'est du genre à faire dodo, pas du tout. Ah mais au moins je vois l'idiot que je ne voyais pas avant. Attendez, ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y a moyen de scam? Le scam, vous savez, c'est ma grande passion. Moi, je suis d'humeur scammy. Ah, j'ai l'impression de le toucher, mais je le touche pas. C'est frustrant parce que je l'ai vu. Je sais comment le scammer. Je crois que le jeu me laisse pas. Ah, le jeu me laisse pas, hein. Alors que je suis rempli de bonnes intentions, hein. Pour baiser le jeu, bien sûr. Ah, ça prend pas, hein. Pourtant, on le voit, hein. Ah, pourtant, j'avais trouvé l'escroquerie, hein. Non mais ça se trouve, je... est-ce qu'il réagit? Est-ce que des fois il tombe? Le fait que je vois pas sa barre de vie est normal. Mais ça se trouve, ma stratégie est sans... Alors ça alors, si on m'avait dit qu'il avait de la portée... Non ça va. Pas sûr que ça fonctionne mon histoire hein. Enfin, j'étais motivé pour arnaquer le jeu. Hein. La motive, c'est... C'est-à-dire que là, la nouvelle VOD est en train de commencer par ça. Je reste frais. Bon, ça a pas l'air de marcher. Le problème, c'est que lui est en train de constamment soigner lui. En tout cas, changer le cycle jour-nuit n'a rien changé au final. Hein. Ah mais non, mais faut que je me remette en jour et que je reprenne le bateau. Je suis amnésique. Bon bah du coup j'ai pris la max pour rien. Mais c'est pas grave parce qu'il y a un truc, il y a une porte. Non mais il y avait de l'idée. Mauvaise, il y avait de l'idée. Sam le bio, merci. Ah, vivement Game of Thrones, tout à fait, la suite. Enfin, la nouvelle campagne. Lad, am I right in getting the sense you've actually gotten to know Thor's daughter somewhat? Attends, mais je... Dude's great. Wants to be a Valkyrie one day. Attends, je suis amnésique, du coup. Je venais d'où? Et j'avais vu une larme. Je me souviens que la larme m'intéressait, mais je venais d'où? Je venais de l'autre côté, pas de là? Il y a des trucs pour poser sa barque partout. Non, si, je venais de là et j'avais eu le trésor tout de suite. D'où je viens, c'est là-bas. Peut-être. Oui. Vous inquiétez pas, hein, je suis extra lucide. Ah mais là, il y a une racine de merde. Alors que si j'avais mis la nuit, il n'y aurait plus la racine de merde, non? Quoi que non, la racine de merde, elle est... Ah, on peut descendre, là. Ah non, mais c'est là d'où je viens. Non, parce qu'il y a... Là-bas, il y a ça. Ça ressemble, mais c'est pas pareil. Peut-être. J'ai pété un plomb. J'ai tout oublié. Mais si, on connaît ici. L'idiot rond de la porte, il est de retour. Ah, c'est juste que quand j'ai fait cette première zone-là, j'avais oublié de prendre... Attendez, c'est inacceptable. J'ai besoin de... You know? Ma
Quoi? Qu'est-ce qu'elle fout là? Ah bah parfait. Pourquoi j'ai pris... Oh le con! Elle est où? Là autre chose. Est-ce que tu pourrais t'écarter un peu du poison parce que c'est chiant? Et du con. Ça c'est une erreur, sachez-le. Faire cette attaque là c'est une grave erreur. Oh il a pris cher. Il a pris très cher. Elle me refait le coup de disparaître encore. Ah le sang. Ah mais si elle retourne à sa tanière, on sait exactement où c'est. En plus là il me parle de sang, je le vois pas le sang, vous le voyez le sang? Merci à tous. On va finalement se retourner en arrière. Ah putain, j'ai failli encore oublier parce que je suis quand même venu là pour... Attends mais... J'ai fumé du mauvais shit? J'avais pas vu... C'est une fleur que j'ai vue? Ah oui non voilà. J'étais revenu pour ça à la base. C'est quoi ça? Merci pour l'argent. Trace de sang. Je suspecte que ça va nous retourner à la den que nous avons rencontrée. Ah bah attendez, bon, finalement, c'était une erreur qui nous fait avancer. She's terrorized this land, brother. This jungle was her home. She defended it the way she knew. But if death is the only dignity we can give her, we will give it. We'll give it to her. Kratos, hein. Dans toute sa splendeur. Ah non, j'ai pas envie de me retaper les idiots. Attends. Oui, bah non, autant. Voilà. Mimir, what were you saying earlier about Sif not being a good person when you knew her? It's quite true if I'm being frank. Mais quoi, mais... Attendez, je vais péter un plomb. Mais attends, elle est là, la gougoute. Donc ça, c'est pour aller voir l'idiot qui me jette des pierres. Whether brutally dealing with their enemies or just as brutally raising those boys. What do you mean? Défense. Comment on va là? De l'autre côté, probablement. Je suis obligé de repasser par là? Oui, c'était là. Ok. Du coup, j'ai. Ah oui, non, voilà, c'est parfait. Oui. Ah, il m'a demandé. Ok, donc la tanière est là-bas. Est-ce que j'ai besoin de me soigner? Bon, ça va. Ah oui, il est pas bien. Alors, je voulais pas. J'ai fait le con. Ah oui, c'est vrai qu'elle donne des coups de cul. Je préconise la patate de foin. Alors, je crois que la patate de foin, d'autant plus que si je meurs, j'ai repatate de foin. Une solution safe. Qui a fait ses preuves. Glissement du temps. Oh, ça cancelle pas. Oh, je me suis fait full baiser. C'était une erreur. Bon bah vas-y. C'est pas très beau mais... Comment dire non? Comment dire non à un first try sale pour pas se faire chier? Allez, sans rancune.
give her that? Kinda wish we didn't have to kill her. Ah, va falloir être attentif parce que j'ai 10 000 trucs. Cuir noué, cristal purifié. Souvenir du souffrant, enchantement dans la lumière. Pour le guerrier dont les armes veulent prendre l'ascendant sur un ennemi affaibli. Ressources. Permet de fabriquer l'armure du chasseur. Hey Mimir. La Mimir. Talk to his hammer. Oh, still doing that, is he? Yeah. Is he like charming the steel or casting a spell or something? Du coup, faut que j'aille racheter une pierre. Berserker. C'est nul. Et Zerbardzi. Des petits allers-retours de la honte. Merci Rito Cazette. Merci Durial. 5 siècles. It's made out of a ring? Drop me an eye. Forged by the Hulder brothers as a gift for Odin. How's it work? Every so often, the Dropnir drips out identical copies of itself. The Huldras presumably figured that if one golden ring was a good... Liste de Kitavenheim, ça vaut de PQ, bah c'est cette nouvelle zone là. ...a permanent place in Odin's heart. But it didn't. Not even a little. Oh là là, les yeux. Ah tiens, voyons voir l'armure du chasseur. Ça vaut le coup cette histoire. Maintenir L2 pendant plusieurs secondes augmente temporairement les dégâts des attaques à distance. Ok. Augmente les dégâts de toutes les attaques et capacités à distance de Kratos. Ah d'accord, c'est l'armure de Ranger. Si t'as envie de... d'attaquer à distance. Elle est stylée, hein. En vert. Mais non merci. Je garde mes trucs de lyre du dragon, même si mon bouclier est pas le meilleur pour ça, hein, de souvenir. Ah il faut que je... Si si, il faut que je t'achète une pierre. On est bien d'accord que j'ai 12 000 merdes à lui revendre. Hein. Non, c'est pas grave. Ah oui, ben, et c'est vrai qu'il y a plein de situations où on aime bien scammer le jeu avec des lancers de hache et compagnie, ça pourrait servir. Ah si, Stupflow et Glouglou, 6 siècles. Incroyable. Une icône à gauche de la barre des boss te montre quand le boss est insensible au stagger. Ça existe pour éviter les stunlocks de sort. Ah oui, d'accord, en effet, c'était mal expliqué. Ou pas expliqué. Donc mal expliqué. Enough talk. Donc, le bateau, hein. Le bateau, et si je bascule? Ensuite, est-ce qu'il fallait que ça soit nuit ou pas? J'en sais rien. Mais on peut passer là aussi? Non mais c'est interminable. Bon, on peut passer là-bas, dans la grotte, mais il y a ça aussi. Sif goes straight in hopes that raising a good daughter will redeem their path. On entend des idiots encore, il y a des idiots, il y a des idiots. Il est où l'idiot? Papa, chanteur. Mauvaise arme. Voilà, arrêtera de nous faire chier. Comment ça à gauche, Kyok? Sale bête. Yep.
Ну еще. Costaud le bestiau. Ah, j'ai encore oublié de faire péter mes trucs de lance derrière l'attaque lourde. Ah, j'avais le permafrost. Too bad. Toujours ces ouvertures de coffre si sensuelles. Mais c'était juste ça? Qu'est-ce que c'est que ces bruits? Encore des bruits de la maison. Pas clair. Hein. That's not just dirt. J'avais aperçu un corbeau d'Odin il y a très longtemps aussi. Je me souviens plus où. On l'a perdu. C'est loose. La grotte. Ah, encore un point de TP. On va pas dire non, hein. Des coffres rouges. Et des embrouilles, visiblement. Ah, mais c'est l'idiot, là! Oui, non, mais on sait qui est l'idiot. Fini, c'est bon? Je suis revenu au début, là. Non, pas du tout. Si? Sauf qu'avant c'était la nuit, on l'a déjà aperçu cet idiot. Idiot du con. Mais attends, mais je suis en train de devenir taré, hein. Oui, bah je suis revenu là. Et du coup, en haut, il y a toujours ces coffres. Et comment je les ai, ces coffres? Oui, c'est le début. Pourquoi j'ai pas les coffres? Ça me rend fada. Ah non, eux c'est toujours, ils me balancent du poison et basta, on s'en fout quoi. Six vues qu'ils me disent. Attention, ils m'ont dit six vues. Mais comment ça six vues? Parce que ça, c'est juste... Ah! Oui, non mais ça, oui! Il y a la chaîne! Mais la chaîne, c'est d'en haut qu'on la kick. Ils ont pris de la drogue. On peut l'exploiter, cette racine? Pas du tout. Oui, ah, non, mais si, je suis revenu au début. Ah oui, d'accord. On est d'accord. En effet, je suis revenu au début. Par contre, est-ce qu'en passant par là, je pouvais prendre une racine? Bon, ça me saoule. Speedon, c'est jeudi. Jeudi, du jeudi 9 mars 17h à dimanche 23h59 plus. Ouais, ouais, on te connaît, le roi des bouffes. Don't worry. You can yell at me if you want. What would that accomplish? Might make you feel better. No. You didn't trust me enough to talk through your worries. That's a wound not easily mended. I'm sorry. You needn't be. The fault is mine. Est-ce que je caste avec Antoine? Non, non, les ambianceurs sont pas les commentateurs de tous les runs. Hein. C'est beaucoup de runners et de gens de la commu qui seront la plupart du temps les commentateurs.
de speedrun. Je me retrouverai pas en ambianceur avec Antoine. Mais c'est parce que j'ai beaucoup de choses à faire et on est beaucoup d'ambianceurs cette année. Et d'ambianceuses. Et du coup, y a moins de temps de présence de chacun. Même s'il y en a qui vont pas mal tryhard, notamment la nuit, Jarmou, Aeltan, Chamax pour ne citer que. Mais moi je serai au commentaire de plusieurs runs. Il y a peut-être une que je vais louper parce que ça sera chaud de venir le matin. Vu que je terminerai la nuit tard avant. C'est celle de Metal Gear MSX. Mais sinon je serai au commentaire de Final Fantasy VII Remake, Intergrade, de Hades, de Zelda Link to the Past. Et Isaac, bien sûr. Bon, alors c'est quoi ça? Est-ce que c'est une bestiole qui pue toute nulle pour la quête là? Ou est-ce que c'est un vrai truc overpowered, overlevel qui va me casser le cul? Ok, j'ai ma réponse. Quoi? C'est nécessaire ça? Cette merde. Ok. C'est un truc qui me tue en... qui me one-shot visiblement. Ah, barre de vie rouge, c'est encore pire que barre de vie violette? Ah ouais, peut-être pas alors. Hein. Ah oui, en effet, oui. Il y a même pas moyen de les foutre dans la flotte, ouais. Bon, je crois que ça va être un no-go. À moins que... Ce serait tellement drôle. Mais peu probable. Petit rocher, hein. On lui enlève de la vie quand même, hein. C'est juste que, visiblement... Ouais, non, ça va être un peu compliqué cette affaire, hein. Je pense qu'on va se les garder pour plus tard. C'est la première fois, je crois, qu'on s'éloigne d'un combat. Parce que les barres violettes, je les ai acceptées, je les ai fait. Et là, c'est trop. Ah si, c'est le fixe. Mimir, if I met someone I liked... Je lui ai demandé de se poser. Ah, je peux pas en fait. Qu'est-ce qu'il branlait? Il tapait son meilleur créneau. Ah oui, d'accord. Ah oui, ben. Tu as développé des feelings. Pour la petite au nom imprononçable. Non, attendez. Je vais le chercher, ça va être plus simple. Anger Boda, c'est ça? Ok. On est où là? Si c'est un endroit que j'ai déjà fait, je vais péter une urite. Mais attends, mais c'est pas impossible. Je suis complètement du père hein, depuis tout à l'heure. C'est terrible. Hein. Des images terribles.
Hop là, petit platforming à Uncharted, bien chiant, bien casse-couille. Tout n'est pas parfait, hein. Mais si, mais je l'ai fait ce truc de merde. Je me souviens pertinemment de ce truc que j'avais ouvert en me disant « Ah mais c'est nul, c'est que ça. » Je suis revenu au début. À chaque fois que j'ai l'impression d'avancer, je reviens en arrière. Et là on est où? Et là je reviens vers devant l'autre idiot. C'est du génie. Et du coup le bateau, ils m'ont mis un bateau, c'est trop aimable. Et c'est juste que vu que l'eau est montée, il y a des nouveaux passages qu'il n'y avait pas, donc je m'ambiance tout seul quoi. You understand? Strud. Ah non, Strud c'est chez Odin ça. Skildr likes Strud. But she's only interested in becoming a Valkyrie. She's focused, you know? Oh, very well, lad. Very well. Just hope you know if you ever need to review anything we've discussed. I know. It's good. I'm fine. Ça y est, on est parti sur l'arc histoire de cœur d'Atreus. Oui, je tourne en rond, je tourne en rond. Non mais je reviens là parce que il n'y avait pas l'eau avant, donc on a eu accès à cette brèche de la mort. Mais il y a peut-être accès à autre chose. Quoique je dois toujours casser la gueule à l'autre idiot qui me balance des rochers là. Donc là c'est le dragon qu'on connaît. Ah mais je suis con, j'ai juste à suivre aussi le... Le bleu. Le bleu bleu. Rouge. Donc ça c'est pour revenir, c'est ce que je viens de faire. J'ai tourné en rond. Ah mais ça va me permettre aussi d'accéder... Ah cool. Il y avait un truc qui m'avait frustré, c'était la zone avec les coffres qui étaient derrière le dragon. Bah j'y suis là non? Vu que le dragon est de l'autre côté. Oui ça doit être ça. Oui. Comment ça on we will return at night? Oh me fais pas ça. Ah c'est à dire que là il y a un boss fight. Oh, ah, peut-être pour débloquer ce qui va me permettre d'ouvrir ces trucs de merde là. Intéressant. Et je peux pas monter là? Ça c'est décoratif. Alors attends. Ah non. Putain, il faut que je revienne de nuit, voilà autre chose. Jesus Christ. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je suis du père. Qu'est-ce que c'est? Ah bah voilà. Ah mais ça c'est chiant. Parce qu'il y en a deux qui les soignent. C'est un cauchemar. Alors j'ai une stratégie qui est... Vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Ok. Non, alors va falloir tomber. L'idée, c'est que vous tombiez. Hein. Mais non, mais du con. Non, prends pas ta hache du con. Faut jamais que j'en passe sur la hache, sinon ça va être problématique. Ah
1, 2... Oh merde, putain, je pensais qu'un pas de côté suffisait. Et pas du tout, je le saurais maintenant. Et là, j'ai voulu pari en beau gosse. C'est un cauchemar. Putain, je suis vraiment en train de claquer ça. Bon, allez, claquons ça. Du coup, question. Est-ce que on peut les faire tomber comme ça? Ça serait bien. Non. Ils sont trop près de l'arrêt de la merde. Ils se soignent en boucle. C'est pas lui. Sous contrôle. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il y a deux totems de soins et que le fait d'utiliser les flèches violettes pour en friser un, ça dure pas assez longtemps. C'est vraiment trop faible. Donc, ça veut dire que ma seule solution, c'est de les arnaquer comme ça. Ça me va, hein, mais... pas le plus passionnant, quoi. Oui, lui, il part ça. Ah, pas tout le temps, visiblement. Oh putain, j'ai laissé un mec passer en niveau 7, il va aller en jauge violette, ça va me casser les couilles. Attention, rouge, incoming. Hop, bonjour. On l'a laissé faire, c'est pas possible. C'est rouge, on peut pas. Faut revenir. Faut pas les laisser soigner, donc je suis obligé de revenir. S'il faut le soigner. S'il faut le soigner, ma vie pue le sexe. Revenez là. Une catastrophe. Ah non. Pas clair. Il va péter. Il va péter. C'est rouge. Ah, oh, c'est chiant. Attends,
Attends, mais c'est un spawn infini ou pas? Pourquoi j'ai exactement le même nombre de bouffes? J'ai putain. Ah. Hein? Quoi? Attends, mais j'ai loupé un épisode ou quoi? Ils se sont TP sur moi? Attends, 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 c'est pas clair. Qu'est-ce qui se passe ici en fait? Ah, je peux pas. Il se passe. Faut que tu t'avances, ça respawn, putain. Aujourd'hui, c'est que des surprises, hein, que des trucs qu'il y avait pas avant. Et y'a Speedon, je dis. Pas de live, jeu de rôle, du coup. T'as eu cause. Attends, mais c'est un cauchemar ce truc. Non, mais en plus, c'est trop chiant de lock les deux merdes là. Un, je veux bien, mais les deux, c'est chiant. On est par là, il se passe quoi, les amis? La merde en barquette? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle un beau cul-de-sac dans le milieu, oui. Un peu d'effort, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. Si on essayait... Oh putain. Je vais essayer ça. Ça fait longtemps que j'ai pas essayé de faire ça. On va se battre en patate de fourrin. Ok, je regrette tout ce que j'ai fait. Mais et balance... Il a pas berserk. Mais c'est cauchemardesque. De toute façon, comme d'habitude, hein, y a des mini-boss ou des boss, pas de problème. Y a 12, cons, 12 petits cons, c'est un cauchemar. Ouais, ils sont beaucoup, c'est toujours nul. Et puis là, deux totems de soins, merci. Hein. Merci du cadeau empoisonné. Ah, battons-nous là, alors. Est-ce que ça stun bien, vraiment? Ça stun pas mal. Ah oui, mais du coup il reprend sa hache. Du coup c'est vraiment un cauchemar. Ah non. Si. Il l'a reprise sans la reprendre. Bon, c'est un cauchemar. Ah, arrête, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, j'en ai marre. Ah, j'ai essayé de parier. Hein. Lui, il fait trop mal. Hein. C'est un cauchemar, ce mec. Ah, du coup, je reste exprès dans le coin pour pas qu'il y ait ce respawn bizarre hein, auquel on a eu le droit tout à l'heure. Ok. Pantache. Ah bah du coup on a pas de respawn bizarre, y a pas d'autres gros. Je comprends rien. En fait c'est comme si j'ai eu des spawns en boucle. Parce que je m'étais pas assez avancé, c'est très bizarre. Du coup là le combat est archi facile alors que c'était un cauchemar tout à l'heure. Oh le sketch. Bah ok bro. Il y a eu qu'un gros là et quatre petits. Bizarre, hein. Stupidité. Ils nous déclareront fous d'avoir choisi d'employer la magie noire. Nous pouvons l'accepter. L'invasion des As aura au moins eu cela de positif qu'elle a démontré la naïveté de nos croyances. Nous pensions que la bonté et l'harmonie avec la nature nous sauveraient. Nous pensions que l'amour engendrait l'amour. Nous méritions d'être punis pour nos stupidités. Ouais, mais quand on a que l'amour, quoi. Ouais. Ah bah oui, bah on va pouvoir foutre la night et on a besoin de foutre la night pour... Mais il y a un coffre derrière encore.
On a besoin de foutre la nuit pour l'antre de la baïte. Ah bon, on est bien d'accord que là ça me ramène là où j'ai affronté l'amalgame. Me dites pas que je pète les plombs à ce point là. Oui, c'est bien ça. Ah mais c'est quoi ce coffre? Non mais c'est pas le même hôtel de la nuit, où suis-je? Pourquoi il y a une quête là? Ah, on enquête encore sur Harry. It's a sign we're on the right trail. We're getting close. I remember last time it looked just like a pile of rocks at first. Le mangeur d'âme. Oh, c'est quoi cette bestiole? Et pourquoi il y a des idiots partout? J'ai pas envie, moi. Ne fais que passer. Mais ça, c'est pour revenir là? Oh putain, il m'a fait peur, hein, du con. Ok. Comment ça, drogueur? Oh, je les avais oubliés, eux. Ils ont pas manqué, hein. Oh, j'ai perdu de la vie, là? Ah oui, c'est parce que c'est coup de hache. Ouais, c'est très peu lisible. Ok, je suis un connard. Ah, j'ai utilisé ma pierre du berserker en plus sur le cauchemar. Ok. Ils m'ont mis où là? J'ai pété un câble. J'aurais ce tonneau. Attends, mais. Bon. Admettons. Ouais, il prend du hit quand même. Il prend quand même le stun des corbeaux. Faut arrêter les conneries. Admettons, baladons-nous. Mais ils m'ont fait spawn où, là? Ok. Beau sur PS5, et encore là, c'est la qualité de stream. Hein. Le jeu là, sur... je l'ai en 4K sur l'écran. Alors oui, attendez. Le roi des bouffes. You know the roi des bouffes? Ça c'est traître, hein, on le voit pas du tout. Oh, non! Oh putain, c'est courageux. Ok, ça marche. Le petit coup, il met son marteau en arrière pour le plonger en avant, il est vraiment dur à lire. D'autant plus que le mob ressemble à rien, quoi. C'est une blague. Péter un câble. Bête. C'est un cooldown. Calmons-nous. Mais ouais, il y a toutes ces barricades qu'on peut rien faire là. C'est sûr que quand je vais... Merde. Quand je vais tuer cette créature du cul là... Quand j'aurai mis la nuit... J'aurai accès à toutes ces... À ces ressources. Hein? Couper un épisode? De l'autre côté. Ah, typically those weak spots come in threes. Maybe there's another somewhere around. Ok, merci, backseat man. I needed you. Pas dans l'arbre. Ouais, soi-disant un troisième point faible.
Le troisième point faible, il est forcément sur la même structure. Bon, je pète un câble. Oh putain. Ça m'énervait. Ah. Non, on s'en fout de ça. Rien là-dedans, on est bien d'accord. Mais si c'est de l'autre côté, c'est vache quand même. Ah. Là, il y a un coffre-U. Mais c'est de l'autre côté, ça fume de l'autre côté. C'est un cauchemar. Comment j'ai la vision sur l'autre côté? Me dis pas que... Ah, de l'hôtel. Mais comment je vais à l'hôtel? C'est fermé. Faut kicker ce truc-là. Et on le kick quand on est en haut. Je vais pas m'énerver. Ah, l'autre idiot qui balance encore un flair. Burger. Mais on connaît pas ça. Pas du tout. Oh non, c'est ces trucs de merde. Trucs de merde. Faut remonter jusque à l'origine de la merde. C'est quoi, c'est lui l'origine de la merde? Bien ça, non? Good find. Might justify a quick visit to the cleansing pool. Ah, c'était pas aussi simple que ça. Ah, mais c'est celui à droite en fait. Qu'est-ce qu'il... Petit con. Oh, me dis pas qu'il y a un nid de ces saloperies. S'il doit y avoir un nid de ces saloperies en haut. Non, c'est bon. J'oublie toujours. C'est celui en haut à droite ou c'est celui-là? Ah, c'est celui qui est derrière en fait. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est? C'est une quête à la con. Putain, j'ai jamais m'en souvenir. Hein. Pour moi, fallait remonter à The Origins. C'est lui, The Origins. J'en ai plein le cul. M'en souviens plus, j'ai honte. Est-ce qu'il m'attaque d'où? Ouf. C'est toi The Merde Origins? Pas lui non plus? Ah! C'est bon. Merci à tous. On a eu The Merde Origins. Runa. Ah, pitié, non, pitié, c'est la fin d'une quête, ça. What do you want, spirit? I was... Ok. There was... Je reviens, j'ai fumé une cartouche de clope. The Aesir. And Thor, I must remember. The message must be delivered. It was important. My commander is waiting on my word. He's been waiting a while, then. Tell us. What is the last thing you remember? Non mais comment c'est possible? C'est encore un nouveau truc? Jesus. Thor was looking for a fight with the Vanir military. Merci Moustique. Aye. Merci Chériu pour les 4 siècles. Guillaumitox. Clap. Samnafine. There's only one way to find out, brother. We keep looking.
J'en ai trouvé combien d'esprits dans cette zone? C'est quoi? C'est le quatrième là qui nous donne une quête? On n'a résolu aucune de leurs quêtes hein, pour l'instant. Il y a le rouleau, il y a la chopine, il y a... l'amulette, je sais pas quoi d'autre là. Le truc du fils là, la poupée. Combien de corbeaux? J'en ai 29 je crois. Ok, on est enfin arrivé là, c'est une bonne nouvelle. Il va falloir que je fasse le truc... Oh super. Mais c'est pas innocent qu'il y ait des portes de TP à côté de chaque truc de jour et nuit, c'est que je peux les utiliser et me barrer directement, non? Bon, et là du coup j'ai la vision sur l'autre truc, donc il va falloir que je fasse ça aussi. Oh! Oh bah, bah c'est la totale là. This place has looked better. Qu'est-ce que j'avais oublié dans la zone? 10 balles, ça va. Pas oublié grand chose. Hop, ça c'est fait. Bon, avant d'oublier, on va faire ça tout de suite, hein. Mais je suis con, j'ai fait un raccourci. Non mais hop. Le mec est sous piche. Non, non. Quoi? Pourquoi ça n'a pas marché? Peut-être parce que j'ai pas chargé celle du haut. Casse-toi. Ouais. Merci à tous. Le plus drôle, c'est que tu prennes le long chemin avec la lance dispawn. Bah, déjà, je l'avais pas chargé visiblement, c'est pour ça que ça n'a pas marché, donc... Ravi. 2 secondes. Quelle heure est-il? Minuit 20. J'ai encore du taf, hein. Là c'est... C'était la pseudo-détente avant de retourner dans... Speedon et autres. Et l'émission de mardi aussi, que je dois préparer. Alors... Oh putain, je vais péter un câble. Franchement, si c'est pas une résolution de quête, je vais péter un câble. Ah si, ça ressemble à quelque chose, ça. C'est fiston. I have returned your scrolls. Ah non, c'est scroll. Ah d'accord. C'est vraiment juste à côté, elle. Bizarre. Your commander is long dead. Of course. Odin sent Thor to take control of the valley. But I suppose it's too late now. Don't worry. We're handling the Aesir. No. Tell us what you know of that day. I remember walking into a meat hall. Besoin d'une secrétaire. J'ai déjà un agent et tout. En vrai, si je faisais plus de projets, là c'est juste exceptionnel qu'il y ait une émission talk show plus speedon derrière. Mais je fais pas assez de vidéos ou de trucs écrits pour avoir besoin de quelqu'un pour l'édito comme un Domingo ou un Squeezie. Faye never drank with me, and she would not have with him. Un croc qui se renforce à mesure qu'il se plante dans l'ennemi étourdi. J'ai 12 milliards d'enchantements d'amulettes, je m'en suis absolument jamais occupé. Coup plongeon à longue portée qui percute les ennemis avec une force considérable. Ouf. Est-ce que ça c'est attaque à l'idée? Oh ça c'est pas mal ça. Avec du knockback. Paf.
Apprendre le paf pastèque. Faudrait que je les augmente, mais bon. Je sais pas ce qu'ils valent vraiment, donc. J'hésite. À quoi mardi, il y a rencontre en terrain D avec Atomium et 3 invités. Et cette fois-ci, il n'y a pas la Game Cup, donc on va vraiment juste directement parler jeux vidéo, parler sound design, parler musique, parler game design. Du coup, la nuit. Ouais, mais la nuit, c'est pour revenir en arrière, alors que le shortcut me sert, là. Oui. Là, je mets la nuit. Je descends. Et je vais à droite. Oh non. Ah mais c'est ça, c'est lui le Mind Flayer que je dois défoncer là? Horrible. Pas le savoir. Non non, oh non ça recommence. Il est où? Il touche? Ouais il touche. Ah non il se casse. Je suis trop loin. Il est pas là. Il est pas là, du coup j'envoie des flèches pour rien. Merci. Follet maudit. Ok, donc c'est par là. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu! Non! Non, non! 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 Vise bien! Du con, merci. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Putain, il s'est fait éjecter d'une violence. C'est là que je devais aller, non? C'était l'endroit où j'avais trouvé un coffre. C'est quoi ces traces bleues là? J'ai pété un câble. Là, oui, ok. Father, what was Spartan training like? Unforgiving. J'étais arrivé d'un endroit où j'ai grappiné pour ouvrir un gros coffre rouge. C'était là, non? Je l'ai pas halluciné ce truc-là. On prend le bateau? Putain, mais c'était de l'autre côté totalement, non? À cause de rotation, non mais là je suis dans un état de fatigue. Évidemment que j'ai rien trouvé. Ok, pas grave. Admettons, je pars par là. Par là, c'est là d'où je viens. Oui, là, il y a le bateau. Mais là, c'est parce qu'il m'avait fait respawner au bateau. Mais j'étais bien arrivé de là, j'en suis quasiment sûr. Ah, c'est juste que maintenant que c'est la nuit, le passage était bloqué. Mais il est où le coffre rouge que j'ai ouvert? J'ai pété un plomb. Je vais péter un plomb.
Attendez. Si j'arrive à la même berge, il n'y aura pas le même problème. Donc il y a ça. Ça, c'est les ennemis imbutables. Pour l'instant, en tout cas, faut que je level up mes armes. Ici, j'y suis allé. Est-ce que c'est... C'est par là que j'étais allé ou par là? You can't remember? Why do you ask? I don't know. So we can compare. It is careful, not. We go down there and we're asking for okay. A fight. Dreki won't take kindly to us. Just encore un Dreki, putain les gars. We fought Valkyrie. How bad could another Dreki be? Non mais ça c'est autre chose. Je suis encore en train de faire un autre truc là. C'était un plomb. Regardez bien. Je m'y engage. C'était proche. Au revoir à tous. Mais bon. Oui, bah on commence à connaître, oui. Le problème, c'est qu'il est t'as forcément ton copain. Sinon, c'est trop gratuit. Ça, c'est une erreur. Que je vais faire à chaque fois, visiblement. Et j'étais en train de... Putain, mais je comprends pas pourquoi des fois, quand je switch sur... Quand je switch sur la lance, il me remet sur la hache. Ça fait plusieurs fois que ça arrive et je comprends pas pourquoi. Quand même. Ah dommage. Oh putain, j'essaie de lui faire des contres au bouclier mais il me fait deux coups de gueule d'affilée et du coup il me fait baiser et j'ai plus ma pierre de berserker. Fait plaisir. Quand même, un Dreki solo, on va pas galérer dessus. Arrêtez. Des patates de forain, quoi. From Midgard.
on force un peu sur la lance parce que ça a quand même l'air de faire des dégâts autrement plus monstrueux. Et de stun. Ça a l'air un peu OP. OP shit. Ah bah tiens. Bon, ce qui est bien, c'est que les quêtes d'objets là se résolvent immédiatement. Il n'y a pas besoin de retourner voir le mec. Passing drinks around, reveling. Ah, la fête. Une heure de VOD. C'est arrêté. The drunkest of any man there that day. Je ressens un pic de fatigue là, mais en même temps, je suis tiraillé. Je suis tiraillé parce que d'un autre côté, mardi, j'ai des trucs à faire du matin au soir, donc faut que je sois OP. Mais jeudi, faut que je sois assez décalé parce que je commande jusqu'à 7h du matin. Thor was totally drunk when the valley was destroyed. There's still much we do not know, and whether your mother was involved remains unclear. Oui, bon, c'était un petit stream, hein. C'était prévu. En suçant les pouvoirs Bifrost ennemis, oui. Elle gagne en puissance, c'est vrai que ça, je m'y suis pas trop intéressé, mais j'ai tellement de trucs à faire. Bon, bah c'est bon, il y a plus rien à faire dans ce spot, et ça, je vais me faire foutre, c'est ça. Ah non, je vais pas me faire foutre. Ah mais ça c'est le fameux truc où j'ai affronté un drogueur là. Sauf que ça y est, je l'ouvre du bon côté. Bon, y a cette zone qui a l'air assez cauchemardesque, mais il va falloir y traîner. Notamment à cause de l'idiot qui tape sur la porte là. On se fait ça? Allez, on se fait ça. Ah, les feux d'artifice. Ah mais y a le dragon qui va se ramener. Oh, lui a... oh c'est... ça c'est bien joué ça, ça c'est finement joué ça. Je te demande les oiseaux Ok, il se passe un truc mystique, ok merci. Oh merde, je pouvais tout de suite monter dessus. J'en ai pas abusé, bon on l'a défoncé du coup. Ah il s'est fait Dragonhead. Ah bah c'est parfait. Dreki. Comment? Pourquoi y a... Mais y'a pas un Dreki là? Mais pourquoi y'a tout... pourquoi y'a toute la clica? Faut que je sois à la hache là. Oui, je me souviens très bien. Mais pourquoi? Bon, pourquoi y'a tout le bestiaire? Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi y'a tout le bestiaire? Est-ce que tu voudrais bien viser l'idiot au moins? Ok. Si tu veux bien viser ça s'il te plaît, merci. Ah oui, c'est ça, oui. Évidemment, souvenir, il balance sa bouboule. Faut prendre sa bouboule et lui balancer dedans. Fais un effort. Ok, fais pas d'effort, alors. Je sais plus si il faut que je lui balance sa bouboule quand il a l'abdomen ouvert, ou si on en a un à foutre. J'ai pas le dragon, là? Si j'ai pas le dragon, ça me bat, hein. Ok. Pas de panique. Un peu quand même. I need to get the... Oh il a tapé son pote. Ok. Oh le one shot. Oh le vilain one shot. Mais alors dans l'histoire il y a soi-disant un Dreki. Dreki je l'ai pas vu hein. Et j'ai pas ma pierre de Rez. Un bug d'affichage, c'est pas impossible hein, parce que... Ou il est loin. Quatrième bug de la soirée, je sais pas pourquoi mon jeu il bug ce soir. C'est vrai qu'il s'est passé que des dingues.
Bon bah déjà j'ai envie de dire, essayons de nous débarrasser de ce bouffe, parce que c'est un vrai problème. Dragon incoming. Protège-toi, il est où? Tu l'as tué? Dommage. Il a pas tué du tout. C'est un peu scam là sur cette histoire. Mais vise le truc au-dessus du con. Ah oui. C'est ça qui me fout dans la merde. Ouf. Merci le dragon, merci pour les travaux. Bon ça c'est fait. Il est où l'idiot? Il est reparti? Non. Non mais je vois bien oui. Je peux pas lui renvoyer ces merdes. Bon j'ai pas essayé. Va-t'en maintenant. Il s'en fout totalement. Oui, il s'en fout totalement. Ok. Ah mais j'ai plus l'idiot qui tape sur la porte là. Ah oui, c'était un vrai bug. Non, par contre, ce qui est vraiment chiant... Ah la mangeur d'âme. Plus exact déjà. Ce qui est vraiment chiant, c'est que j'ai pas ma rage de berserker quoi. Il est où? Elle est où ta petite pierre, du con? J'ai une petite pierre, du con. Ouais, y a un nouveau DBZ, let's go. Ouais, j'avoue que le dernier DBZ auquel j'ai joué sérieusement, c'était le deuxième jeu de Versus sur Super Famicom. Donc ça date. Ah mais du coup, ils m'ont pas fait respawn l'idiot, le fantôme. Ah bah c'est déjà ça de gagner en vrai. Hein. C'est juste à gérer la tronarche là. Bon, plus Jean-Michel Dragon quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il me prank. C'est dommage. Je sais plus si je dois lui balancer ces merdes. Ok, c'est chiant. C'est oui, c'est quand il est ouvert. Si je balance ça là, c'est useless. Ok. Déjà mieux. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Ok, on a la pierre. La force vitale de ceux qu'il a vaincu grâce à l'énergie runique. Ça a l'air bien ça. Fabriquer l'armure du chasseur, mais c'était déjà pas le cas. Ah oui, c'est une en plus. Le premier fight il est bien bugué en effet. Still.
Eh bien. Pourquoi je continue, je devrais arrêter. Ah mais ça c'est les zones terribles, c'est les zones une petite d'air quoi. You know? Quoi que là j'ai ouvert un vulgaire shortcut, non? Ou un truc du genre. Ah. Ah. Visiblement non. Il se passe des trucs. Attends, mais quoi? Vali, le gardien du serment? Mais c'est quoi cette histoire encore? Il est où le gardien du serment? C'est une joke? Non, c'est pas une joke. I've made a huge mistake. Ok, il prend pas de knockback jamais. Si, un peu. Trop tard. Joli ça. Putain, avec un délai quasiment inexistant. Si le VDP, très fourbe. Par contre, le délai inexistant est un peu dégueulasse, hein, parce que d'habitude le jeu est plutôt sympa au niveau de l'anticipation des attaques jaunes. Alors. Ah mais même ça il s'en fout. Ah mais il est crack broken. Oui, je l'ai vu, trop tard. Non mais faut que j'arrête. Y'a aucun interrupt, c'est terrible. Attention, il va remonter. Non. Faut que j'essaie de parier ça. Ah putain. Ok. Faut constamment se préparer à la remonter. Non, le fight est cool, oui. Attends, j'ai où là? J'ai joué aux fraises? Non, c'est bon. Et putain, pourquoi il a pas la parole? Ok, là je sais qu'il va me le faire. Non. Ça me terrorise. Et comment je fais ça?
Ça se trouve, je roll alors que j'ai juste à défendre, quoi que ça m'étonnerait. Sale type. Ça donne quand même envie de le taper. Je sais pas quelle est la meilleure arme pour s'y prendre par contre. Oh, quoique ma hache elle tabasse quand même. Valeur sûre quoi. Ah ouais mais voilà, ouais, derrière j'ai le droit à ça quoi. Pas de bonne solution quoi. Ah, j'ai essayé. Ah, je comprends pas. Mais au moins ça a été tanké dans la rage. J'ai le permafrost depuis tout à l'heure, idiot. Méthodique. Qu'est-ce qu'il fait? What the fuck? Je me suis gouré, je voulais faire la R2. Oh, l'interrupt! Maintenant il peut être interrompu! Non! Attention. Ok. Compliqué. Non, et mon loot? Attention, hein. On dit qu'il était conservé dans la réserve de Fafnir. C'est une relique. Une relique verte. C'est pas la première fois que j'en vois une comme ça. Ou c'est juste le color code des reliques et je suis amnésique. Impossible. J'en ai 10 milliards des reliques. Au secours. Ah oui, non. Ouais, j'utilisais ça donc qui me faisait le glissement de royaume. Appliquer une marque aux ennemis à proximité. Attaquer un ennemi marqué pour réduire le temps de renouvellement des pouvoirs runiques de l'arme équipée. Tuer un ennemi marqué pour obtenir une grâce runique. Oh, c'est pas mal. C'est marrant. Bah ben voilà. On a fait des trucs. Bon, elle est folle cette zone. Hein. Ah non mais attends, mais le problème c'est que là, la prochaine fois que je vais rejouer, on sait pas quand c'est. Et là je vais reprendre dans ce labyrinthe du cul, j'ai oublié que je dois aller là. Non, j'ai pas oublié que je dois aller là parce que je vais sauvegarder en regardant cet endroit. Là d'ailleurs avec tous les éclats cristallins que j'ai, la prochaine fois que je retourne à la fontaine c'est champagne. Hein. Je vais reprendre en avril, ça se trouve. Des bisous YouTube. A très vite. Ou pas.